à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la patate. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live créatif. Effectivement, aujourd'hui, je vais mettre à l'honneur une de mes filleules, Stella, qui est en Belgique. Et oui, 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 vous pouvez devenir démonstratrice maintenant en Belgique et c'est génial. Vous pouvez aussi acheter des produits de la Belgique et ça, c'est vraiment génial. Ça fait un peu plus d'un an, mais je pense que c'est important que vous le sachiez et que Stella a eu une idée géniale lors d'un échange de swap. Et bien évidemment, j'ai voulu la mettre à l'honneur aujourd'hui lors de ce live créatif. Je vais vous montrer sa version et je vais vous en proposer une autre version avec des produits différents, comme quoi le même projet mais avec des produits différents, ça rend tout à fait autrement et autre chose et complètement différent. Donc c'est ça la créativité. Coucou Tata Ginette, bonjour Christine, bonjour Virginie. Alors nous aussi aujourd'hui en Normandie il fait beau et il n'a pas encore plu, on va dire ça comme ça. Donc on croise les doigts pour que ça dure et puis de toute façon dans la prochaine demi-heure, trois quarts d'heure, eh ben, on est ensemble et donc on va essayer de mettre du soleil dans notre scrap et aussi dans notre créativité. Alors, je vous montre le projet initial de Stella. Regardez comment il était magnifique. Donc elle a utilisé les photos qu'on a faites lors de Unstage à Rotterdam et elle les a mis en valeur sur cette jolie déco de table. Et ce que j'aime beaucoup dans ce principe, c'est que on peut tout aplatir pour pouvoir l'envoyer. Et regardez. D'ailleurs, une des filles de l'association, lundi, où je leur ai proposé ce projet-là, m'ont dit « Mais oui, Fanny, te rappelle-toi, tu l'avais fait sur un dessus de boîte. » Et effectivement, merci Anne-Marie d'être mon petit pense-bête. Vous voyez ? Donc c'est tout plat, nickel. Dans une enveloppe, ça passe tout seul. Voilà. Nous, aujourd'hui, on va le faire dans une version différente où on va mettre en évidence et en valeur le lot fleurs de campagne que j'aime beaucoup avec ses découpes assorties. Et n'oubliez pas, tout au long du mois de juin, vous avez 10% supplémentaire de réduction sur les lots. Donc n'hésitez pas, c'est maintenant, d'accord ? Et puis, on va reprendre la technique que je vous ai montrée lundi avec les pastels. Donc, on a commencé à travailler lundi avec cette technique. Donc, si vous voulez avoir beaucoup plus de détails, je vous invite à regarder le live, le replay, bien évidemment, de lundi. Il est aussi bien sur Facebook que sur YouTube, hein. Donc, faites-vous plaisir. Il s'intitule « Les doux pastels ». Ok ? Et puis, on va aussi mettre en valeur ce joli papier design. C'est juste une tuerie. Vous allez voir, il y a différentes couleurs. Il est trop, trop beau. C'est le papier motif de rêve. Je ne sais pas si vous l'avez repéré dans le catalogue. Et alors là, je suis sûre que vous l'avez repéré parce qu'il a beaucoup plu lors de ma porte ouverte. C'est le joli papier promenade et rêverie, celui-ci, qui se suffit à lui-même. Limite, vous avez juste à coller et votre carte est faite. Un petit sentiment et le tour est joué. Donc, on va travailler avec tout ça et je vous montre mon projet final. Alors, certaines ont pu le voir lundi. Attention, direction mon plan de travail. Voilà. Alors, le matériel qu'on va utiliser, c'est ce que je vous mets toujours, ce que j'appelle les produits vedettes. Donc, c'est les produits phares qu'on utilise pendant le live. Donc, vous avez le nom, les références et je vous ai mis les pages pour les retrouver dans votre catalogue. Ok ? Donc, regardez ce joli projet que nous allons réaliser ensemble. Alors, on va peut-être le faire avec des papiers différents, avec un papier de fond différent parce que vous allez voir, ça fait toute la différence. Ok ? Ça, c'est bon. Il faut aussi que je vous dise, vous rappelez, j'ai fait un live le 2 juin avec mon mari où il vous a lancé un petit défi pour toutes les filles qui achètent le kit livraison de bonheur. Donc, vous avez la référence 163 890 au prix de 28 euros. On met votre nom dans le petit bocal magique. Et on fera un tirage au sort. Et celle qui sera tirée au sort parmi mes clientes, évidemment, il faut l'acheter via ma boutique en ligne, et ben vous aurez le droit à un cadeau, un set de tampons d'une valeur de 28 euros gratuitement que je vous enverrai avec un grand plaisir vers chez vous. Voilà.
Et pour, comme je vois qu'il y a des filles de mon équipe qui sont là, mes filleules, pour les filles de mon équipe, j'aurais lancé un défi un petit peu différent. Alors peut-être que vous êtes des challengeuses et des joueuses, donc vous voulez peut-être aussi participer à ce challenge-là. C'est comme vous voulez. Vous achetez le kit et vous faites une photo un petit peu rigolote, insolite avec ce kit. Donc voilà. Donc je vous invite à participer à la tombola pour pouvoir gagner un set de tampons et je vous mets dans le petit bocal magique. Voilà. J'ai hâte de voir. Hein. Et Arnaud, des fois, il me dit, t'as reçu les photos, t'as reçu les photos. Non, non, pas encore, ça va venir. Donc voilà. Donc on va, je vais juste refaire une fois un dessin pour que vous remontrer légèrement la technique des pastels que je vous ai montré lundi pour celles qui n'étaient pas là, pour que vous puissiez reprendre le fil du live. Et donc on va tamponner la petite, je vais faire le bro, allez hop, je fais le bro là. Je le fais en stazone cuivré pour donner un rendu différent. Voilà. Et c'est là la petite technique, c'est qu'on prend une chute de papier. Alors moi j'ai pris du vanille parce que j'avais un excès de chute de vanille. Mais après vous faites comme vous voulez. Et vous allez prendre vos pastels et votre aqua painter. Pourquoi je ne l'avais pas sorti? Où je l'ai sorti? Il est où? Ils sont là, n'importe quoi. Voilà. Donc on fait comme ça et je vais venir prendre ma pastel et je vais mettre de la pastel sur mon papier de brouillon pour récupérer des pigments, d'accord? Donc il y a cette technique là, il faut pas non plus trop mouiller notre papier. Alors non, je vais prendre le plus fin, je préfère, et on mouille le papier. On y va tout doucement parce que c'est pas du papier aquarelle, hein, donc on y va avec délicatesse. Et comme je l'ai expliqué lundi soir, on va travailler aussi les ombres et les lumières. Et donc moi, je pars toujours du principe quand je fais des je colorie des tamponnages que ma lumière, elle arrive par là. Et donc, mon côté sombre sera toujours de ce côté. Et donc, je commence toujours par le côté plus sombre puisque c'est là où j'ai plus de couleurs sur mon pinceau. Et je vais faire... Hop là. Et donc, je fais toujours en premier des couleurs... je fais toujours mon petit, ce que j'appelle mon jus. Du plus clair et après je reviens prendre des pigments. Voilà. Hop là. Mais on y va délicatement. Et du coup on a remarqué aussi lundi la qualité aussi de vos aquapainters. Je pense que ça y joue beaucoup parce que ce Stampin' Up il dégage pas de l'eau tout le temps en fait. Il faut vraiment appuyer pour que ça se dégage et c'est plus facile. Donc hop, on y va. On y va délicatement. Hein. Et on rajoute de la couleur. Et vous voyez, au fur et à mesure, mes ombres là, ils arrivent. Il faut effleurer votre papier, vraiment avec délicatesse. Il y a aussi une autre technique, si vous voulez. Vous pouvez venir prendre votre aquarelle et... votre aquapainter et prendre de la couleur directement sur votre bâton comme ça. Mais pareil, on y va doucement, sinon votre papier, comme c'est pas du papier aquarelle, il va granuler. Hein. Donc on y va tout doucement. Voilà, moi je trouve que c'est pas mal. Peut-être encore un petit peu là. Hop. Un petit coup. Voilà, on est bien là quand même. Marie, pas de soucis, je viens de commencer. En plus, il me semble que tu étais là lundi, donc j'ai juste rappelé la technique pour faire avec les pastels. Ok ? Donc, vos aquapainters et les pastels. Vous avez les pastels, je vous ai mis la référence ici, 161-701. C'est ceux qui sont dans le catalogue. Mais aussi, il reste encore l'ancienne collection à la référence 585. Et pour information, ils sont à 4,40€. Donc ça vaut vraiment le coup. Alors Geneviève, il faut que tu t'entraînes si tu as du mal avec les aquapainters et que tu ailles tout doucement. Et en fait, le but du jeu,
c'est qu'on n'appuie jamais sur les réservoirs d'eau en même temps qu'on dessine, en fait, qu'on colorie. Hein. Donc, il faut y aller tout doucement et vraiment y aller progressivement. Maintenant qu'on a fait nos coloriages, on va laisser de côté, on va faire la structure. Donc, pour faire la structure de notre home déco, on va prendre notre cher Versicoco papier et une feuille noire. Alors, j'ai pris du papier noir parce que je voulais vraiment qu'il ressorte, que la déco ressorte et que les papiers soient bien mis en valeur. Donc, on va faire un carré de 19,5 cm. Et puis, Geneviève, si je peux me permettre, l'important, c'est d'avoir aussi du bon matériel, d'accord ? Lundi, lors de mon association, il y a certaines filles qui n'avaient pas du bon matériel ou du matériel adéquat et on a bien vu que ça faisait toute la différence. Hein. Donc là, on a bien notre carré de 19,5, d'accord ? Et après, dans du papier très vanille, coucou Véronique, on va faire 4 rectangles de 9 par 18. Donc on fait 9 cm. Hop là. 9. Une fois. Je ferai les 18 après. Comme ça, je fais toujours la même chose. 9. Deux fois. Une troisième fois. 9 cm. Voilà. Et une quatrième fois. Voilà, je mets de côté. Là, dans l'autre sens, je vais recouper à 18 cm, hein, comme je vous l'ai mis sur mon plan de travail. Donc, on coupe à 18. Et 18. D'accord ? C'est bon, on a nos 4 rectangles. Maintenant, on va marquer les plis à 9 cm, donc au milieu. Et on va faire la même chose sur les 4 rectangles. 4. 9, pardon. 9. Ça, c'est votre trait qui est là, hein, qu'on applique. Et maintenant, on va tracer la diagonale comme ceci. Donc, pareil, moi, je le fais au massicot. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous utilisez votre pointe à embosser et votre stylo et votre outil touche à tout. Et vous ferez un heureux avec Mister Otat. Pour celles qui ne savent pas ce que c'est, qui c'est Mister Otat, je vous invite à regarder le live du kit livraison de bonheur que j'ai réalisé avec mon mari et vous verrez, vous découvrirez qui est Mister en tête. Donc là, on fait encore une fois. Là. Voilà. Et le dernier. Et voilà. D'accord ? On met de côté pour le moment. On ne marque pas les plis, on va le faire après. Maintenant, dans le papier très vanille qui nous reste, il nous manque de faire deux carrés de 9 cm. C'est les carrés qui vont nous servir. Alors, il y a deux solutions. Soit on en fait deux ou on en fait quatre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, est-ce que là, vous voulez qu'il y ait un matage, oui ou non? Si vous voulez qu'il y ait un petit matage comme ceci, et eh bien, je vous invite à faire 4 carrés de 9 cm. Et si vous en voulez pas, on n'en fait que 2. Donc, moi, je vais faire 4 carrés de 9 cm pour vous montrer. Donc, 9 par 9. On fait la suite. 9 par 9. Et deux autres. 9 cm sur 9 cm. Hop là. C'est bon. Ça avance. Super. Surtout, ouais, ça, si vous réalisez ce projet, montrez-le-moi et partagez-le sur la page. Comme ça, Stella pourra voir aussi vos versions. Je pense qu'elle serait contente. Ça, c'est bon. On continue dans nos découpes puisqu'on a sorti notre massicot.
Et là, dans mon papier, dans celui-ci, je vais choisir... qu'est-ce que je vais choisir? Allez, je vais changer, je vais prendre ce papier-là. Hein, et je vais faire 4 carrés de 8,6 cm. Alors, vous voyez, il y a des dégradés. Vous avez un côté plus clair et un côté plus sombre. Et ça fait un fondu de couleur. Donc, quand vous faites pour ce projet-là, peu importe, prenez le côté où vous préférez, tout simplement. Donc, moi, je vais prendre le côté plus sombre. Donc, on va faire 4 carrés de 8,6 cm. Hop là. Hop là. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, voilà, n'hésitez surtout pas. Et puis surtout, surtout, quand vous regardez en replay, n'hésitez pas non plus à revenir vers moi et me faire un petit coucou, c'est toujours très agréable. Je sais que vous ne pouvez pas toujours être là pendant les lives, hein, bien évidemment, mais voilà, il y a toujours possibilité d'interagir, même en replay, donc... n'hésitez pas. Donc le quatrième, alors pour éviter de gâcher trop mon papier, je vais vous montrer, on va faire comme ceci, hop, et comme ça j'aurai juste prélevé un petit carré. Coucou Manu, j'espère que tu vas bien. Hop là, hop, ça c'est bon. Et pour finir, on va choisir un beau papier pour faire nos deux derniers carrés de 8,6 dans notre papier design. Alors, à choisir, je vais essayer de choisir quelque chose qui va aussi avec ces papiers-là. Il y a celui-ci qui va bien. Alors, pensez que vous avez toujours des rectos et des versos. Ah, il y a celui-ci qui pourrait être sympa aussi. Allez, on va prendre ces deux-là. Nickel. Pareil comme ce que je vous disais tout à l'heure, je vais utiliser une partie et pas la totalité de mon papier. Donc, vous prenez la partie que vous préférez, bien évidemment. Hein. Hop là, donc là, on fait ça. On a 8,6. Hop. Ah, j'ai pas été assez loin. Heureusement, avec notre massicot, ce n'est pas un problème. On va reprendre. Et voilà. Là, on est bien. Et je vais faire la même chose, mais je vais prendre plus de ce côté-là. Vous voyez, là, je vais prendre complètement au milieu. Pour vraiment prendre la partie que j'aime le mieux dans mon papier. Alors, je sais, ça fait faire des découpes et un peu de gaspillage. Mais franchement, des fois, ça vaut le coup pour faire quelque chose d'encore plus joli. Hop là, ah, il manque un petit bout là. Voilà, super. Maintenant, et c'est là où ça va être important, on va venir prendre, attention, j'espère que vous êtes encore là, super, on va venir reprendre nos grands rectangles que nous avons fait en bas, d'accord? Et c'est là où c'est, on va dire, le plus compliqué, c'est qu'on va marquer des plis, comme ceci, la diagonale, et donc on va... coller comme ceci, et il faut que chaque angle vous soyez dans le même sens, d'accord? Donc on va voir, c'est pas de ce côté là du coup, attendez, je vous remontre, voilà, comme ceci, ok? Donc vous avez bien votre partie plate qui est sur votre votre carré de 19,5 cm noir que vous allez coller. Et là, on a bien le pli dans ce sens-là et comme ceci. D'accord? Comme ça. Et on va coller au fur et à mesure. On va faire juste attention de laisser 5 petits millimètres sur les bords pour avoir notre idée de matage, comme d'habitude. Et que ça fasse joli. Hop là. Voilà, avec, et on continue, d'accord? Donc là pareil, je me mets ici, j'ai toujours ma partie plate qui est contre mon carré et je marque les plis et ça fait comme ça. Voilà.
et je le colle comme ceci. Et je laisse toujours les 5 mm tout autour. J'essaye aussi d'aligner le long là, ça va joli. Voilà, on est toujours dans le même sens. Je fais un autre quart de tour et je vais refaire pareil. Ok, donc là, je vais mettre de la colle. Comme ceci, et je colle comme ça. Voilà. Et on fait le dernier. Toujours dans la même idée. Hein. Vous êtes sage ce matin, dites donc. Vous êtes en train de le faire en même temps que moi ? Ah, ça serait trop bien ça. Juste à la fin du live, je vois vos projets. Bon, s'il y a certaines qui étaient là lundi soir à l'assaut, vous allez tricher, mais... D'ailleurs, si vous avez envie de nous rejoindre pour l'année prochaine, n'hésitez surtout pas. Hop là. Voilà. Comme ça. Ok ? Maintenant, tout simplement, on va venir... coller les carrés ici sur le bas, d'accord? Les carrés de papier design, motif de avec le papier motif de rêverie, on y va. C'est normal, c'est plus petit puisque on a notre papier vanille où on a fait en gros des carrés de 9 cm et là on a 8,6. C'est volontaire, c'est pour avoir toujours cette idée que moi j'aime beaucoup l'esprit matage autour de notre papier imprimé, d'accord? Hop là. On fait pareil sur les quatre. En fait, une fois que vous avez collé et bien présenté et bien mis dans bon sens vos bandes là, après c'est juste de la déco et c'est hyper facile et hyper agréable à faire. Et vous pouvez laisser libre votre imagination. Bientôt c'est la fête des pères. Vous pouvez aussi proposer ce projet là pour habiller vos tables. Et avec les photos des enfants avec leur papa, par exemple, ou de, voilà, de souvenirs agréables passés ensemble, tout est possible. Là, on est bon. Voilà. Ok, tac. Maintenant, sur deux des carrés vanille que nous avions fait, on va coller notre papier design, là. Et là, c'est attention, attention. Il faut pas se tromper quand on va vouloir coller sur notre base. Sinon, c'est la cata, la cata, la catastrophe. Hop là. Voilà. Ok. Et donc, moi, j'ai fait le choix de faire que sur deux côtés. Donc là, par exemple, je vais choisir ce côté-là. On va venir coller notre carré comme ceci. Mais attention, on va mettre de la colle uniquement sur le triangle du bas. Et coller comme ceci et on va faire en sorte que ça tienne comme ça, vous voyez, et faites attention, il faut, vous voyez, un côté où il n'y a pas de colle, donc d'où l'intérêt de bien coller uniquement sur la partie du triangle. Donc là on fait l'autre en effet miroir, on va dire, je le pose comme ceci. Voilà. Et après, donc sur les deux restants, c'est là où on va faire la décoration de avec nos petites découpes que nous avons réalisées. Donc je vais venir prendre mes dies. Hop là. Voilà. Alors, on a. Alors je sais que certaines vont me maudire, mais. On va faire et on va découper tout en même temps. Oui, oui, ça marche, même quand on n'a pas de plaque magnétique. Il suffit de bien... alors, moi j'ai l'habitude, donc ça ne me dérange pas que ça se relève, puisque quand on va aplatir, ça ne va pas bouger. Je place bien mes découpes. Rien ne vous empêche de mettre du scotch repositionnable, hein, si vous préférez. Mais je vais vous montrer ma technique. Hop, celle-ci, elle est là. Et pour finir,
Et en fait, ma technique, une fois que tout est positionné, je mets ma plaque comme ceci. Vous voyez, je ne la mets pas toute plate tout de suite. Je l'amorce un petit peu dans ma machine. Et à ce moment-là, j'aplatis tout doucement. Et vous voyez, ça ne bouge pas. Et là, je maintiens mon sandwich et je tourne la manivelle. Et moi, pendant ce temps-là, je tourne la manivelle. Et en un tour de manivelle, j'ai fait mes 5 découpes. Tintin, regardez. Hop là, magie, hein. Donc, on gagne du temps. On fait pas de perte de papier. Et le tour est joué. Donc, si vous voulez voir et approfondir comment j'ai colorié toutes les petits tamponnages que je vais utiliser aujourd'hui, n'hésitez pas à aller sur le replay de mon live de lundi sur les pastels. Donc, sur l'un des petits carrés, on va coller. Là, j'ai collé classiquement à la colle mon petit bro, comme ça. Et le feuillage, je vais venir le coller avec de la mousse 3D pour lui donner du relief. Hop là. Pour aussi info, j'ai reçu ma commande pour les kits mensuels. Donc je suis en train de préparer vos kits. Donc ils vont, j'espère, pouvoir partir fin de semaine. Et que l'atelier en ligne ou en présentiel sera le samedi 29. Voilà. Donc voici le premier. Et le deuxième, on va jouer avec notre petit tabouret. J'ai reçu aussi la commande pour le Club in Color. Donc, je ne vais pas m'ennuyer cet après-midi. Et donc, je viens coller là. Après, j'ai mon petit, ma petite carafe là, que je vais mettre avec... de la mousse 3D. Vous voyez, j'alterne colle, mousse 3D, hein. N'hésitez surtout pas à faire ce genre de choses parce que ça donne vraiment une valeur ajoutée à vos créations. Hop là. Hop, on est bon. Et je viens mettre ici mon petit bouquet de fleurs. Pareil, avec de la mousse 3D. À vous de voir comment vous positionner. Faites juste attention que ça ne déborde pas trop du cadre. Et voilà. Après, dans le set de tampons, donc on a bien utilisé pas mal de petites choses, il nous reste cette petite fleur qui est là. Regardez. Et je vais l'utiliser tout simplement dans les angles de mon papier pour habiller mon papier et mes petites créations. Tout simplement, ça fait un petit peu effet mosaïque. Alors après, tout dépend dans quel sens vous les mettez. Toujours avec mon encre Stazen marron. Comme ça, ça donne un effet plus doux que si j'avais pris de la noire. Ah, oh, j'ai pas sorti mon tapis Stampin' Spears. Vous ne l'avez pas soufflé. C'est étonnant. D'habitude, je le sors tout le temps. Hop là. Et le dernier. Voilà, ça c'est bon. Maintenant qu'on a fait ça, on va venir coller dans le même principe que nos papiers imprimés. Donc attention, donc on a bien notre triangle. On colle uniquement sur le triangle qui est là. Et on va le coller comme ceci. Donc là, moi j'ai mis du papier design et des tamponnages. Rien ne vous empêche de mettre des photos, hein, comme ma fille elle a mis avec les photos de Rotterdam. On fait la même chose ici. Et voilà. On est bon. Ok. Et pour finir, on va venir mettre des petites fleurs ici qui vont bloquer le fait que ça ne se referme pas quand ça va être sur notre table. Et donc dans les dies, on a des petites fleurs qui vont parfaitement. Et j'ai utilisé, pour rappeler aussi, des chutes de papier. Oh, j'ai... chose qui me gratte dans le dos. Pardon, excusez-moi. Hop là. On va faire comme ça. Je reprends ma machine de découpe. Je reprends mes plaques. Et pareil,
Du coup, en deux tours de manivelle, on a fait toutes nos découpes. Et ça, j'aime bien. Ça fait gagner du temps. Hop là. Donc, on a besoin de 4 fleurs. Mais là, sur les dies, c'est 3 plus 2. Donc, il vaut mieux en avoir plus que pas assez. Hop. Hop là. Pourquoi je l'ai passé deux fois, je ne sais pas. Mais voilà. Donc, je crois que changer ma plaque. D'ailleurs, il va peut-être être temps que je change ma plaque hein, quand même de Big Shot. Hein. Quand même, Fanny, exagère pas. Ah oui, t'es en retard, Betty. J'ai presque fini. Donc, 1, 2, 3 et 4. Oui, tout est dans même cette Nadège. C'est le lot fleurs de campagne, hein, comme je vous ai mis ici. 163-412, à la page 50 de votre catalogue. Donc là, c'est bon. Donc, j'ai bien mes petites 4 fleurs. Et là, je vais sortir mon tapis Stampin' Spears. Et je vais vous montrer un petit truc tout simple. Avec mon outil touche à tout. Ils sont ouf. J'ai les petites boules à embosser. Donc, je vais prendre la plus grosse. Et en fait, j'appuie au milieu et du coup, ça va lui donner du volume, tout simplement. Hop là, je continue. Et pour la dernière, pareil. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je prends mon projet, je prends les mousses 3D et je vais tout simplement coller une mousse 3D. Alors, c'est pas OSAT, belle maman, c'est OTAT. Outils, touche à tout. Dixit, mon homme. Et là, je le positionne et je mets la petite fleur qui va me servir de repère. Je fais la même chose de l'autre côté en effet miroir et je vais faire la même chose sur les 4 côtés, bien évidemment. Donc, je colle, vous avez vu ma petite mousse 3D là. Je positionne et on peut mettre au milieu. Hein. Moi, là, je mets un petit peu décalé, mais vous pourriez mettre au milieu. Vous voyez, du coup, ça ne bouge plus après. On fait pareil sur les autres côtés. Hop là. D'où l'intérêt d'avoir les petites. Voilà. Je me mets là. Et le dernier. Et vous voyez, selon les papiers, selon la déco que vous allez faire, vous allez avoir le même principe, mais un rendu différent. C'est ce que j'aime dans le scrapbooking et dans le loisir créatif. C'est trop bien. Hop là. Hop. Et voilà. Évidemment, on ne va pas oublier de mettre des petits strass au milieu. Avec mon petit outil touche à tout. Qui est super facile. Hop. Et je rajoute des petits strass au centre de mes fleurs. D'ailleurs, ça me fait penser que lundi, j'ai oublié de leur mettre faire mettre des strass aux filles de l'assaut. ça papote, et du coup, on oublie des choses. Mais c'est pas grave, je suis sûre qu'elles en ont à la maison pour les rajouter. Hop, et la dernière. Et voilà. Et notre projet est fini. Qu'est-ce que tu dis? Au milieu, sur une table, nous pourrions mettre un petit vase avec des fleurs. Au milieu, c'est compliqué, je pense. Nadège, ça ne tiendrait pas. Hein. Faudrait essayer, mais je ne suis pas sûre que ça tienne. Il n'y a pas vraiment d'espace. Ou alors, il faudrait faire plus grand pour avoir un centre plus plat, on va dire. Donc, voilà. Donc, 3 projets, on va dire, de base identiques avec des rendus différents. Donc, mes 2 projets à moi. Et je vais quand même vous montrer, bah, ça tombe bien Stella, t'arrives pile poil, au projet de Stella, donc je vous le remonte à plat. Et Stella, du coup, elle avait rajouté aussi également des petits embellissements pour bloquer. Elle avait utilisé aussi l'alphabet que nous avions au catalogue pour rappeler l'année. Et puis les étiquettes qui vont avec, que j'aime beaucoup, que je vous ai déjà présenté plein de fois. Pour marquer le petit mot souvenir qui est là. Et vous voyez, avec des photos, c'est vraiment très très joli également.
Donc pour la fête des pères ou pour les cadeaux de maîtresse de fin d'année, ça peut être une belle idée aussi, par exemple. Voilà. Donc des petits rappels avant la fin du live. Rappelez-vous, donc j'ai utilisé le lot fleurs de campagne, les doux pastels. Et d'ailleurs, vous pouvez en acquérir, puisque les anciens modèles sont encore en promotion, ils sont à 4,40€, donc n'hésitez pas. Vous avez les papiers motifs de rêve qu'on a utilisés, c'est ces jolis papiers-là qu'on a mis en papier de fond. Et le papier promenade de rêverie, qui est juste là. Alors évidemment, vous pourriez tamponner en plus dessus également, hein, mais moi je trouve que ces papiers-là, ils se suffisent à eux-mêmes. Et n'oubliez pas que si vous achetez le kit livraison de bonheur sur le mois de juin, mon mari et moi, on vous a proposé un petit tombola, et donc il y en a certaines qui ont déjà passé commande. Il reste encore de la place dans mon bocal, bien évidemment. Et si vous êtes tiré au sort, vous aurez la chance et le privilège de recevoir un joli tampon en cadeau. D'ailleurs, je crois qu'il coûte 28€, le même prix de votre kit, hein, donc ça vaut peut-être le coup de se tenter. Le code hôtesse pour le mois de juin, je vous l'ai remis ici. Le tutoriel comme d'habitude. Et puis, comme je vous le disais au milieu de ce live, j'ai reçu la commande pour faire les kits mensuels numéro 39 avec le cube photo. Donc, à moi de travailler maintenant pour pouvoir vous les expédier, j'espère, avant la fin de la semaine. Pareil pour le Club Incolor. Si vous avez des renseignements, si vous avez besoin d'accompagnement sur vos produits Stampin' Up, sur l'achat de vos produits Stampin' Up et pour commander sur ma boutique en ligne, n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir. Si vous avez envie de commenter, n'hésitez pas, mettez des petits pouces en haut aussi. Ça me permet de stimuler les algorithmes aussi bien sur Facebook que sur YouTube et ça me permet d'avancer. Voilà, je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles techniques lundi. Lundi, on fera live technique comme d'habitude et mercredi pour un nouveau live créatif. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Belle journée à tous également et profitez du soleil si vous en avez. Il est un petit peu rare en ce moment, alors profitez. Allez, ciao, ciao.